À travers ce dîner-débat, le CIPB, Conseil des investisseurs privés du Bénin, recherche une justice au service du développement. Le secteur de la justice au Bénin a besoin de plus de moyens. Pour cela, il importe que des réflexions se mènent sur le prochain budget du ministère de la Justice. Au cours de cette soirée, on vous l'a déjà indiqué, les thèmes qui seront abordés, le budget, pourquoi l'augmenter, et les réformes en cours ou souhaitées dans le système judiciaire béninois. Ce débat est aussi l'occasion pour moi de rendre hommage aux personnes qui participent aux séances mensuelles du groupe de travail justice, qui est de l'administration judiciaire comme le secteur privé, ainsi qu'au cadre de Fludor Bénin SA et du CIPB qui les anime. Le ministre de la Justice salue une initiative qui répond à la vision du gouvernement. La vision, c'est de faire en sorte que cela devienne un département beaucoup de moyens et très peu de problèmes. Et c'est pour cela que le gouvernement aussi a pris la mesure de la situation. Dans les exposés qui vont suivre, certains aspects seront développés. Les actions les plus fortes dans ce gouvernement ont été orientées vers le secteur judiciaire. Quatre communications ont meublé cette soirée débat. Selon les communicateurs, le budget 2017 du ministère de la Justice connaît un accroissement de plus de 64% par rapport à celui de 2016.